Quel joli chargement. Quel bel écran. D'avance, je ne remercie pas la personne qui m'a plus ou moins conseillé de jouer à ce jeu. Il s'agit donc aujourd'hui du jeu Driven, sorti sur PlayStation 2 en 2001, avec une version mais évidemment aussi sur console portable. Donc on va faire start. Je découvre le jeu en même temps. J'ai vu le film quand j'étais gamin il y a de nombreuses années, puisque le film est sorti, il me semble, en 2001 ou 2002. Alors, pour faire les petites anecdotes rapides, si vous suiviez la Formule 1 à l'époque, il y avait un certain Sylvester Stallone, enfin de la fin des années 90, qui, comment dire, faisait le tour de certains grands prix, pas tous, mais en tout cas était présent sur les paddocks, pour justement démarrer la tournée pour son film Driven, qui devait sortir un peu plus tard. Et malheureusement, pour le film Driven, ce qui devait être à la base être de la Formule 1 s'est révélé être du kart, CART je précise, puisque Bernie Ecclestone avait refusé de donner les droits pour le film. Donc voilà, merci Bernie. Mais finalement, vu que le film est un AV, voilà, hein, finalement ça va, on s'en est bien sorti. Tant pis pour les Américains. Alors, je n'invente rien hein, en disant que ce film est un navet. Quand j'étais gamin, je le regardais, j'avais pas trouvé ça terrible. Après, ça reste un film d'action, hein, donc il fallait pas non plus chercher trop loin en termes de scénario. Mais quand en regardant vite fait sur les distinctions du film, il a été proposé comme étant le plus mauvais film, plus mauvais réalisateur, plus mauvais scénario, plus mauvais second rôle, pour parler même Sylvester Stallone, et plus mauvais duo. On se dit que ce film, effectivement, même s'il n'était pas terrible, était quand même loin d'être très très bon. Enfin, c'était complètement l'inverse, quoi. Il était vraiment pas bon du tout. Mais aussi bien on a eu des très bons films qui ont révélé des très mauvais jeux, aussi bien c'est possible que des mauvais films fassent de très bons jeux. On sait jamais. Et là, par exemple, je vais être totalement neutre puisque je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc c'est parti. On a le mode arcade, le mode scénario, le mode multijoueur, le mode option. On va prendre les options déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, option de jeu. Ok, donc on peut changer la vitesse, on peut avoir la vue derrière la voiture, au-dessus, aile gauche, ah carrément aile gauche, aile droite, dans la voiture, dans le cockpit, devant ou derrière. On peut choisir si on affiche la carte, le radar ou le temps. Pour l'instant, on le laisse par défaut, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, option d'écran. Ok, ça c'est la position de l'écran, on n'en a pas besoin. Les résultats, les extras c'est quoi? Les extras c'est pour voir le film, j'imagine. Alors, on va pas faire Driven, j'expliquerai pourquoi. C'est parce que si on laisse de film, on risque de se faire striker. Donc, je vous laisse vous-même vous faire une idée sur le film, sur l'histoire, etc. Voilà, de toute façon, moi je n'ai quasiment pas de souvenir du film, enfin, de manière à quelques flashs en fait. Mais bon. Alors, c'est parti, on va faire le mode arcade pour commencer, puis le mode scénario, on continuera là-dessus. Alors, on a le championnat d'Europe, le championnat course unique. Alors, il faut savoir que c'est un peu particulier parce que dans le film, on a évidemment des acteurs, mais on avait aussi des vrais pilotes. Je crois qu'il y avait Carpenter qui était présent, je crois que Jean Alési fait une apparition. Il y a aussi un autre pilote de kart, je ne sais plus, qui ne s'appelle plus kart maintenant, évidemment, hein, c'est IndyCar, mais. Donc voilà, donc on a en termes de pilote Ray Carter. On a. Alors, Scott Massey. Alors, je sais pas si ce sont des vrais pilotes, si ce sont ceux du film. Non. Non, non, à mon avis, c'est ceux du film. Parce qu'en plus, ce sont des équipes qui n'existent pas. Yves Bardot, c'est verrouillé. Maurice Diffou, c'est verrouillé. Un est verrouillé. Etc. etc. Donc, on n'a pas toutes les voitures du début. Pardon, je vais y arriver. Alors, on va revenir là. Bon, on va prendre Suki. Genre, juste au niveau des teams, par contre, parce que vous allez voir, ça c'était le team. Le tech. Non, c'est vraiment des figurants hein, en train de jouer là. C'est pas ceux qui sont. C'est pas les personnages principaux du. Ah, voilà, Joe Tanto, qui lui, normalement, est encadré par comment il s'appelle, Sylvester Stallone, et verrouillé. Jimmy Bly, qui est le héros du film de Souvenir. Et. Alors, c'est Max Lantley, non, c'était. Ronenberg aussi, c'est un des personnages du film. Et il y avait aussi l'allemand, là, je sais plus comment il s'appelle. Non, pas Lia Lopez. Memo, voilà, Memo Moreno.
Donc ouais, je suis désolé de perdre beaucoup de temps, mais il faut quand même minimum poser les bases du jeu. Pilote RC. Donc on va re-choisir à nouveau. On va prendre par exemple... pour une fois qu'il y a une fille dans un jeu, on va prendre une fille. Un jeu de cartes ou de Formule 1, on va prendre Suki. Daisuki, qui veut dire aimer en japonais d'ailleurs. Alors voiture IA, il y a 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va mettre le maximum. Moi je le maximum. On va faire 3 tours. Difficulté moyenne, on va faire par défaut. On peut choisir le circuit. Et vous allez voir ce qui est un peu particulier, c'est que normalement le kart en général se déroule aux États-Unis, avec des fois un ou deux circuits qui sont en dehors des États-Unis, comme par exemple le circuit de Motegi. Mais vous allez voir que dans ce jeu et même dans l'histoire, il y a par exemple une course en Allemagne. Et là, on a par exemple des courses qui sont totalement fausses, puisque par exemple on a le tour du Triomphe. Je sais pas ce que c'est ce truc. Mantley Park. Et tout le reste est verrouillé, donc c'est un petit peu dommage. On va faire le Mantley Park ou le Triomphe. Bon, on va faire ça. Allez, c'est parti. On va mettre difficulté moyenne et on va mettre courir. Avec un petit un screenshot qui ressemble un petit peu à le type Miami avec un petit peu cartoonesque. Pourquoi pas. Pourquoi pas, après, quand je vous dis, c'est un jeu tiré d'un film, donc... Oh, et on part sur les vrais graphismes du jeu. Allez, c'est parti, on accélère avec X. Oula, c'est assez sensible. Oh là là, oui, c'est plus que sensible. C'est plus que sensible, c'est pas grave, allez. Oh là, je commence déjà à sortir... Alors attendez. C'est quoi cette merde? Ok, je veux bien qu'accélérer trop fort, ça nous fasse partir dans le décor, mais là c'est quand même vachement sensible, non? Bon, c'est pas grave. Alors avec triangle, je peux changer la vue. Avec arrêt, je freine. On tourne droite, gauche, à tour, donc je crois que tout va bien. Et je suis parti à la faute. Donc vous l'aurez compris, on est en ville. Par contre, bon, niveau graphisme, ça boit de la PS2, c'est quand même ultra simpliste. On remarque qu'il y a... Alors, petit détail, vous allez voir peut-être brièvement, c'est qu'on a la visière, j'ai l'impression. C'est-à-dire que l'écran se salit légèrement. Attendez, je prends déjà un tour, là. Et on a la roue qui s'est voilée aussi. Vous voyez, on a des traces qui se sont formées devant nous. Et je me suis accroché avec un pilote. Oh, regardez le... Oh, le bordel. Oh, bah alors, on s'est fait couper en deux. Et avec Alan, donc on peut réparer la voiture. Ok, donc c'est une sorte de... Pas retour arrière comme dans Dirt. Dans Grid. Codemaster, le Codemaster. Mais on peut revenir un peu... Je me suis encore fait couper, c'est génial. Ah, par contre, les chocs sont assez impressionnants. Hein. On peut pas dire le contraire. Par contre, c'est fou là, je suis déjà à un tour. Alors, on a une vue sur le côté, qui ma foi est plutôt bien faite. Une vue légèrement à droite aussi. Une vue complètement embarquée. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est une jolie vue. Par contre, j'ai l'impression de pas avoir d'anti-patinage. Hein. Alors, je sais pas si en carte ils en ont un, je sais plus. Il me semble que non. Hein. Je sais que les F1 en avaient plus ou moins un en façon de parler, mais. Ouais, j'ai l'impression qu'elles en ont pas du tout. Alors, ce qui est détail intéressant, regardez sur le volant. On va rechanger la vue à nouveau. On a de l'affichage, mais je sais pas ce que c'est. 39-77, je sais pas à quoi ça correspond. Bon, en tout cas, je vous rassure, je suis vraiment nul. Ça, c'est assez impressionnant. J'ai l'impression de ne pas pouvoir accélérer en fait. C'est-à-dire que si je tourne un tout petit peu, la voiture va instantanément partir à la faute. On n'a pas de spotter. En revanche, on a. Aïe! On a. Une musique de fond qui, ma foi, doit peut-être être celle du jeu, je ne sais pas. Alors, comment on met la marche arrière? C'est rond, on met la marche arrière, ok. Et vous voyez les petites traces là, qu'on a sur la caméra, elles vont disparaître au fur et à mesure. D'ailleurs, elles ont disparu. Alors, je pense qu'il vaut mieux jouer avec le joystick, mais comme de toute façon, je serai aussi nul que le joystick, on va dire que le maniement, c'est ma faute. Même si le jeu quand même paraît ultra sensible, hein. Enfin, faut pas déconner quand même.
Alors, on va faire déjà, on va parler des graphismes de manière globale. Bon, ils sont corrects, on n'a pas de pixelisation parce que c'est plutôt lissé avec la vidéo. Mais, oh, on me sent qu'il y a peut-être qu'au ralenti. Ah, mais ils ont fini la course. Moi, je suis encore dans le deuxième tour. Regardez, alors le jeu ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux terminer, je suis obligé de terminer mes trois tours. Alors que l'IA est au ralenti, donc en fait, il faut vraiment que je finisse mon tour entièrement. Alors que dans n'importe quel jeu, quasiment. Sauf les jeux de pure simulation, et encore dans simulation je crois que c'est pareil. Dès que vous finissez un tour, le jeu s'arrête. Là, il va falloir que je finisse mon troisième tour pour vraiment finir la course. Ce qui est un peu bête en soi, mais bon, après pourquoi pas. Hein. Et allez, je suis parti en tête à queue encore. Voilà, c'est encore l'accident. Je fais n'importe quoi. Bon, on va faire start, ça sert à rien de toute façon. La musique, on va baisser un peu le niveau, parce que c'est bien cool, c'est bien drôle, mais... Je pense qu'on va se traquer au bout d'un moment. Donc on va pas la mettre à fond. Et là, vous aurez reconnu, je crois que c'est les yeux de Sylvester Stallone, d'ailleurs, qu'on a en fond. Donc on va faire start. On va faire un mode scénario. Alors par contre, les options de difficulté, j'aimerais les mettre au minimum, parce que honnêtement... je sais plus comment on fait configuration de la manette. Les vibrations, accélération, freinage, mais on va laisser par défaut. Résultat, donc ça c'est les meilleurs temps, donc on s'en fiche un peu. C'est assez particulier ce changement de screen qui part d'un fondu tout en noir. C'est un petit peu bizarre. Bon, on va faire le mode scénario. Je crois qu'on n'a pas de niveau de difficulté d'ailleurs. On m'appelait le chanteur à l'époque. Bienvenue chers fans de course dans cette épreuve cruciale du championnat Driven. Jimmy Bly, qui avait entamé cette saison en favori, a complètement perdu ses moyens. Parce que je chantonnais quand je gagnais. Et les choses vont encore se corser, en effet. Joe Tanto a repris du service pour aider Jimmy à gagner les précieuses secondes qui lui manquent. Quand je me trouvais dans la zone. Exact. Après une absence prolongée, Joe Tanto, qui avait failli être champion du monde, a été recruté pour seconder Jimmy Bly. Son expérience permettra-t-elle à Bly de mettre fin à cette série de défaites ? Je l'ignore, Jack. J'ai entendu dire qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et puis j'ai tout perdu. Ma femme, le championnat. Tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le champion en titre, Bo Brandenburg, ne va pas être ravi de retrouver Tanto. Ces deux-là ont des comptes à régler. Mais maintenant, je suis de retour. Ici David Doyle. Et Jack Hauser. Bienvenue au championnat Driven. Alors, aucune image du film, hein, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait sur la licence, mais y'a rien du tout. Alors certes, on a les personnages en mode comique, mais ça s'arrête là, y'a pas grand chose. Nous voici aux essais de l'écurie Team Spirit pour assister aux performances des pilotes. Jimmy pourra-t-il retrouver la forme avant la fin du championnat? À ce stade de la compétition, la précision et la régularité sont les clés du succès. C'est la volonté qui compte, Jimmy. Si tu veux gagner, tu dois penser comme un gagnant. Oh putain, oh la bonne voix et tout. Et d'ailleurs apparemment, je sais plus le nom exact de la personne qui fait la voix, je crois que c'est Darvoy qui fait la voix de Stallone. J'ai lu que c'était le dernier film sur lequel il a dû prêter sa voix, après c'est redevenu une autre personne. Alors, entraînement avec Jimmy Bly, faites un tour en 26 secondes sur le Desert Palace Speedway, vous avez 4 tours pour y arriver. Bah c'est parti. En plus c'est drôle parce que ça fait penser vraiment aux voix qui sont utilisées aussi dans les cochons de guerre. Gentlemen, start your engines. Three, two, one, go! Allez, c'est parti. On va tenter. Oh là mon dieu, ce maniement en bois. On va tenter de faire un tour en 26 secondes. Nextel, BT. Hey, ils ont quand même quelques sponsors, hein. Ils ont eu pas mal d'accords, j'ai l'impression. Bon, le jeu est pas moche, hein. Enfin, il est pas. Hey, très propre, mais il est quand même pas mal. On a eu un effet bizarre là avant de prendre le mur, c'était assez impressionnant. Donc, je suis censé faire un tour en 26 secondes. On va mettre la vue intérieure. Regardez.
Je suis à 416 km/h, c'est quoi ce délire? Regardez la vitesse de pointe, hein, c'est totalement impossible. Alors j'ai réussi. On va dire pourquoi pas. C'est très très bizarre, hein, 416 km/h. Alors je sais que les cartes sont valent très vite, hein, on passe peut-être des fois 370 km/h, etc. Et encore j'exagère beaucoup. Mais là 416 quand même, ils ont un peu fumé. On va mettre le compte sur le fait que c'est un film. Mais c'est un petit peu abusif quand même. Alors... Non, on va pas sauvegarder, on va passer directement à la suite. Allez, c'est parti. C'est à Tanto d'y aller maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, Jack, Tanto va essayer de retrouver ses marques pour voir s'il peut toujours atteindre la zone. Oui, il est à nouveau dans l'équipe, mais il n'a pas piloté depuis longtemps. Nous allons voir tout de suite s'il est encore un vrai champion, ou bien s'il est fini. La zone est là. Je ne dois faire qu'un avec la voiture. Si je veux que Jimmy m'écoute, il faut lui prouver que je peux retrouver la zone. Que c'est moi le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ah, cette voix, y a rien à faire, quoi, c'est trop bien. Alors, entraînement avec Joe Tanto. Faites un tour complet dans la zone à TZ Palace. Vous avez 4 tours pour le faire. La zone. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent la zone. La zone, c'est peut-être la phase qualificative. Je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, les chargements sont plutôt bien. J'aime vraiment la transition entre le cartoon, entre le mode cartoon, enfin du chargement et les graphismes du jeu. Enfin, je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt original. Ouais, départ correct. Bon, on va faire un tour dans la zone. Allez, Manu. On y va. Manu la zone, mais ça c'est une petite référence aux inconnus. Et moi aussi je peux faire cet effet. Hein. C'est quand même très bizarre hein, comme effet de rouler dans le silence comme ça. C'est pas mal, hein, je veux dire, c'est une idée qui se défend. Mais c'est vraiment particulier, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Ok, donc on a 4 tours à faire. Ah bon, on a réussi. Ok. Donc on va faire continuer. Alors on est en train de suivre en fait l'histoire du film, hein, parce qu'au début il explique le retour de Tanto, enfin c'est... J'ai l'impression que ça suit vraiment le cours du film. Du coup si vous avez vu le film, vous connaissez déjà la fin. Donc ça je ne vous spoilerai pas, c'est le seul intérêt qui reste au jeu en fait. Ici à Angels Bay en Californie, et Jimmy Bly semble très confiant. A-t-il raison de l'être? Hein, je pense que oui, Jack. Tanto l'a regonflé à bloc, et à mon avis Jimmy va confirmer aujourd'hui tous les espoirs placés en lui et faire oublier ses mauvaises courses. Alors Jimmy, t'es un gagnant ou un perdant? Montre-moi que tu sais gagner. Ah, j'en peux plus. Ah, sans déconner. À chaque fois qu'il parle, mais moi ça me fait trop rire. Enfin, je suis désolé, hein, mais vraiment énorme quoi. Alors t'es un gagnant ou un perdant? Ah purée. Non, franchement, franchement c'est le truc qui va rehausser la note du jeu final parce que pour l'instant niveau technique y a pas grand chose. Mais c'est pas si moche, hein. Ça manque d'effet, bon on est sur PS2. Le jeu est sorti quand même au début de vie de la PS2, donc on va pas trop lui en vouloir. Ouais, plutôt un bon départ du pilote, je ne sais pas qui. Oula, oh, il y a des effets d'étincelles, ah oui, quand même. Oh, pas mal, j'aime cet effet. Ouais, alors ça a l'air quand même assez compliqué, je ne connais absolument pas le circuit. Oh là là, ils ont l'air d'aller hyper vite, et je peux vous dire un défaut, je vous le dis tout de suite. Vous voyez l'affichage en haut à droite? Cet affichage bleu, bah il masque la moitié de l'écran. Voilà. Maintenant que vous l'avez vu, vous allez voir que ça. Très joli tracé, n'empêche. Plutôt pas mal. Ah, franchement, je trouve le circuit beaucoup plus joli que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Beaucoup plus joli que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le circuit de... Enfin, de l'Arc de Triomphe là. Franchement le jeu est beaucoup plus joli maintenant hein. Oh, il y a même des boss et tout.
C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, hop, 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 ça a touché. Oh là là, malheureusement, il a cassé une roue. Alors, de souvenir, le film, pour empêcher que... Je sais plus si c'est le héros ou le pilote allemand gagne. Ils vont utiliser une stratégie au stand. Pour justement faire perdre du temps au pilote qui était en tête et laisser l'autre pilote gagner. Par contre, là, j'ai vraiment tapé. 11 secondes. Aïe. Ah oui, là, par contre, je suis un peu mort. Il me reste 2 vies. Voilà, je suis 10ème sur 12. Il faut que je finisse 9ème, c'est ça. J'ai déjà oublié la place que je devais avoir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le circuit qui nous est dessiné, du coup, on sait à peu près où il faut aller. Mais le fait d'avoir une voiture qui tourne d'un coup, ça aide pas du tout à être précis. Ouais, là, c'est pareil, par exemple. Oh mon dieu, la roue qui fait n'importe quoi. Bon, bah voilà, on est 12ème. On va devoir recommencer. Il y a 6 tours à faire. Alors je suis particulièrement mauvais, hein, je vais pas me donner d'excuses quand même, donc... Oh là là, regardez-moi ça l'accident! Par contre, je suis une voiture beaucoup plus facile à conduire, je sais pas si c'est un réglage spécial en mode arcade. Ah par contre, elle est gerbe étincelle, je sais pas quel moyen ils ont mis dessus, mais c'est vraiment bien fait. Hein. Oh la vache, j'aurais rêvé d'avoir eu ça à l'époque sur Factor 1 ou... Ou les simulations, parce que là, honnêtement, c'était vraiment joli. Ouais, je pense qu'on va devoir recommencer le scénario parce que j'ai complètement échoué. Oula, attention à la glissade. Bon, bien entendu, vous l'aurez compris. Oh là, l'envol, c'est de l'arcade. Et d'ailleurs, il me semble que Jotanto, il se plante littéralement au moment... Oh, regardez, j'ai perdu le contrôle. Oh là là, c'est l'accident bête. Et en plus, je suis dans le mauvais sens. On va réaccélérer. Mais je crois que j'ai perdu mon aileron. C'est pour ça que la voiture s'est envolée. Ouais, bon là, je sais pas si je peux rentrer au stand. Non, je crois pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire relancer. Et on va retenter. Allez, c'est parti, on va retenter, on va se... Aïe, 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 attention, attention. Oh, bah dès le début, je me fais entasser, je peux rien faire. Et allez, bim, on va refaire relancer à nouveau. Ce qui est bien, c'est que je peux, dès le départ... Oh mais c'est pas possible, c'est quoi cette IA? Eh oh mec, je te double sur la gauche, sur la droite Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce mec, quoi? Mais c'est pas possible, je vais pas me faire avoir 10 fois là. Ça va, j'ai compris. Ouais, je vais pas me faire avoir 2 fois, on va passer à gauche maintenant. Comme ça on va gagner rapidement des positions. Oh l'accident. Oh là là, mon dieu, j'ai déjà cassé mon aileron avant et je pense que du coup ça va me porter préjudice pour le prochain. Et franchement, j'ai mis plus envie de me planter que de faire la course, quoi. Je trouve ça tellement réussi les caméras de course que, que finalement j'ai plutôt envie de faire des crushs. Bon, on va retenter. Alors, on va essayer de se concentrer, pas faire trop de bêtises, on va essayer d'être plus calme. Si j'ai bien compris, il faut finir 9ème, alors je dis pas que ça va être facile, hein. Mais bon, on va ici. J'ai déjà tapé, ça commence bien. Fallait que je fasse gaffe à mon aileron avant. Parce que comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand on le casse, bah ça se passe pas super bien. Faut quand même tenir 6 tours. Et voilà, j'ai encore... Quel très beau dérapage.
On va refaire relancer. Alors le jeu est dur, hein. Vous l'aurez compris quand même. Enfin, je veux dire, je joue à des jeux de voiture pendant des années. C'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. On va se concentrer. Je pense que c'est faisable, hein. Faut juste, voilà, pas faire trop le boulet. Voilà, je dis ça et je pète ma voiture dès le début, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai remarqué que perdre le rond avant ne change pas grand chose. Si ce n'est que je me fais exploser. C'est parti, on continue. Ah, j'aimerais quand même vous montrer autre chose que ça, hein, pour voir un peu ce qu'il y a d'autre à faire, parce que là, si la première course on n'y arrive pas, je me demande qui va y arriver. Sans être trop. Sans être faire preuve de modestie, de manque de modestie. Je pense que le gamin qui va pas avoir la patience, il va s'énerver rapidement sur ce jeu. Eh ouais, mais là... Après c'est logique, hein. J'ai tourné, il y avait une bosse, bon, on va dire ça se défend. C'est dommage que le maniement soit pas cohérent, parce que les chocs, en tout cas les accidents, sont quand même plutôt bien rendus. Même si bon, les dégâts sont pas très bien faits. Il y a quand même une volonté de rendre la chose potable, quoi, enfin... Mais le maniement, par contre, ils se sont complètement loupés. Ouais, j'ai passé par là. Oh, la petite effet de... Et voilà. Là, par exemple, bah, je peux rien voir, donc je peux rien faire, en fait. Allez, on repart. Vous imaginez quand même que j'en suis mieux sorti à la première tentative. Voilà. Bon, la voiture restante, c'est fini. Ah, j'allais dire, l'effet on le garde quand même vachement longtemps. Alors ce qui est bien avec cet effet, c'est que je trouve que comme la voiture est beaucoup plus lente à tourner, eh ben on est beaucoup plus précis. C'est limite paradoxal en fait. Ouais, là, je m'en sors beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le jeu m'a arrêté d'un coup là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Lap 4 sur 6, on est dans le dernier tour. Bon là j'ai complètement pourri mon manuel. Alors là je n'ai pas compris. Bon, on va aller jusqu'au bout quand même pour voir ce qui se passe. Mais j'ai pas compris, vous avez bien vu comme moi, la voiture s'est arrêtée net. Alors que j'étais tranquillement en train de faire ma course. Hein, j'avais rien fait de mal. Voilà, le motard est en train de mourir, là je vais partir en tête à queue je pense, non c'est bon. Oh là là, mon dieu. Je viens de prendre un tour, faut dire la honte quoi. Ah, 44 secondes, ah mais à la limite j'ai déjà pris un tour, c'est pour ça qu'il me reste deux tours à faire. On va voir. Ah, mais ça se trouve, le dernier tour, c'était pour l'IA. C'était pas pour moi. Enfin, je sais pas. C'est quand même bizarre. Ou alors, il a dit avant dernier tour. Faudrait que je revoie avec le replay, mais... Pour moi, c'était dernier tour. Alors, il n'y a pas d'autres options, hein. Je veux dire, j'ai pas de boost, je peux pas... Alors, j'ai vu sur les côtés, je voulais vous montrer, mais je pense qu'on aura très peu le temps d'utiliser. Parce que bah, le jeu étant assez vif, c'est difficile de s'amuser à regarder
sur la droite ou la gauche, là je fais n'importe quoi. Allez, je vous montre un peu, avec un joli effet de vitesse quand même. Et là c'est vraiment le dernier tour. Oh, je suis pas obligé. Ah là si, quand même, je suis trop obligé. Non, ça passe toujours. Attends, on va tenter jusqu'au bout. Ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Et on va terminer 12e et bon dernier. Il y a quand même, un gros pic de difficulté. Hein. Entre les deux premières manches qui sont ultra faciles, on réussit quasiment d'un coup. Et la course qui là est totalement... ouais, c'est difficile quoi, y a rien d'autre à dire. Oh, j'ai encore pété ma roue. Sauf que là, je peux pas, donc je suis obligé d'abandonner. Je vais voir si je peux aller jusqu'au bout, hein, mais j'en doute. On est en train de perdre la vitesse, là, mon avion ne tiendra pas. Ah, on a repris de la vitesse, attendez, 45-46 km/h. C'est la fin, on arrive au bout de la ligne droite. On peut le faire. Oh mon dieu, que c'est ridicule. Ah, bah on a perdu les deux roues, c'est pour ça. Ouais, je pense que ça peut le faire, on peut finir sur la fin de la. Sur les roues. On peut même être aidé, je pense. Ah, bah j'ai perdu. J'ai terminé 12ème. Donc on peut voir la rediffusion quand même. On va voir ce que ça vaut. Alors je peux pas changer de pilote. Si, je peux changer. Ok, donc ça c'est pas mal. J'ai pas l'impression que je peux changer la vue. Ouais non, je peux rien changer d'autre. Bon bah du coup on a perdu. Alors j'imagine qu'on va juste recommencer. Voilà, si tu as échoué ce défi, il va falloir essayer. Et on en était à peine au troisième. Il n'y a pas beaucoup de défis, hein. On en est qu'à 14. Du coup c'est un petit peu dommage, il n'y a pas d'avoir grand chose. Par contre c'est sûr que si le niveau de difficulté est aussi élevé sur chaque course, je pense qu'il y a moyen vraiment d'en chier. Alors, on va directement passer à la suite. Et voilà, il faut terminer sur le podium à Angel Bay. Autant dire qu'on n'y aura pas. Enfin, on pourrait passer la nuit. On va faire une dernière tentative. On va sortir du mode scénario si on n'y arrive pas. Et on essaiera juste un autre circuit comme ça rapidement en mode course, en mode arcade. Sponsorisé par Zepter quand même. Là, il y avait Zepter qui était sur la casquette de. C'est ça, Stallone. Elle avait une petite vue embarquée. Non, on va pas mettre une vue embarquée. Je veux la vue la plus éloignée possible. Qui d'ailleurs est quand même assez. Assez proche. Hein. Du coup, elle est pas très intéressante si on veut vraiment être précis. Plus la vue est haute, plus c'est facile de voir devant nous. Ouais, pas mal. Vous imaginez, il faut finir sur le podium. Je n'arrive même pas à rattraper les mecs devant moi. Voilà, là j'ai tapé. Bon, ça peut encore passer, hein, on n'a pas... Là on a le virage à fond, la ligne droite. Alors je sais plus comment on change la vue, ouais c'est ça. Bon, on va faire L1, tant pis, c'est pas grave. Je ne m'attends pas à réussir la course, hein. Enfin c'est comme ça, mais... Je suis trop mauvais pour qu'on puisse aller vraiment plus loin. Ouais, le problème c'est qu'une fois qu'on est en tête à queue, la voiture elle vise d'un coup. Et en plus on s'est fait retourner. Bon écoutez, ça sert à rien, on va faire quitter. On va faire une petite course en arcade, histoire de voir ce que ça donne sur le premier circuit, puisqu'on avait essayé les deux. Alors j'imagine qu'évidemment, quand on réussit les défis au fur et à mesure,
Mais il devrait faire un mode championnat, tiens, plutôt. Championnat d'Europe. Alors, par contre, oui, j'ai oublié d'en parler. Il y a le championnat, on va revenir en arrière. Il y a le championnat US, championnat du monde. Donc, il y a quand même d'autres choses à faire que le mode histoire. On va prendre... bah, peu importe, on va prendre lui. J'avais lu qu'il y avait aussi une référence à Frank Williams. Frank Williams, puisque dans le film, il y a un chef d'équipe qui est en fauteuil roulant, et c'est vraiment une référence à Frank Williams à la base. Alors, donc, le mode arcade se déroule en trois courses, donc le Manley Park, le deuxième j'ai oublié, c'est le circuit de Tour de Triomphe, donc le plus horrible, et le Excel Toll, donc on va faire le premier, la première course. RMC, je pense pas que ce soit la radio Monte Carlo quand même qui fait le... qui sponsorise, ça me semble pas avoir la même même logo. Donc on part dernier, hein, y a pas de qualification, rien du tout. Et là, il y a quoi une voiture? J'ai l'impression qu'il y en a que 5. Avec 6 courses, 6 voitures. Ok, bon ok, il y a 6 voitures, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Alors, est-ce que le jeu va gérer l'aspiration? C'est une des questions qu'on serait en droit de se poser. Alors j'ai l'impression que oui. Alors on va changer la vue quand même. Non, bah j'ai pas l'impression hein. Alors si tout le tracé se déroule comme ça, je peux vous dire que le mode Flying the Sky, on va l'avoir longtemps. Alors là, je lâche pas accélérateur, hein. Je vais à fond. Je me rappelle de cet incident. C'était un 12 mai 1984. J'étais avec ma femme et mes enfants. Et puis, tout à coup, le drame. Ah non, mais sans déconner, sans rire. Sans rire, c'est... On va faire le jeu entièrement comme ça, là. Bon, bah écoutez, tout se passe bien, hein, 3 tours sur 3. Alors derrière nous, on a un autre pilote qui semble nous rattraper. Mais je pense qu'on devrait pouvoir gagner, puisque on est dans les derniers virages. Et on a gagné la course. Ok. Donc, on a fait littéralement 2 tours de la course, sans avoir le son de la voiture, c'est parfait, c'est parfait. Donc on marque 10 points. Alors Joe Tanto, voilà, Jimmy Bly, Max Bentley, Van Brandenburg et Scott Messi. On va parler de la rediffusion. On va passer directement à la deuxième course. Alors, on a 40 minutes de vidéo, du coup je vais quand même vous dire mon ressenti sur le jeu. Bon bah ça reste un mauvais jeu, hein, de toute façon. Il y a quelques idées sympas toujours, hein, mais malheureusement c'est... Ils ont pas la base en fait, hein. Les graphismes sont moyennement bons, ils ont quelques idées sur l'histoire, bon on a les mêmes objectifs que dans le film, mais le côté conduite, réalisme est totalement absent, donc voilà, c'est pas un bon jeu du tout, c'est pas un bon jeu du tout. Alors vous allez voir, ce qui va m'ennuyer, c'est que j'ai l'impression que je vais me planter à chaque fois. On va voir si c'est propre à ce circuit ou si c'est juste le mode arcade qui est comme ça. Et encore que 6 voitures. Là par exemple je freine, mais est-ce qu'ils vont me rentrer dedans ou pas? Non, ça va. Enfin, ça va. Bon, à peine rentrer dedans. On a 3 tours à faire. Je crois que j'ai cassé un peu la roue. Bon, c'est pas grave. On est dernier. On va essayer de pas faire trop d'erreurs. Enfin, je dis ça, mais à mon avis, on va se planter lamentablement. Voilà, c'est un circuit à angle droit. Donc, du coup. Alors, par contre, vous remarquerez que là, je ne peux pas. Comment dire. C'est dans le sens, je peux pas réanimer la voiture. En gros, si je casse quelque chose sur la voiture, bah, c'est fini. Et je peux pas faire relancer. Donc en gros là, si je termine dernier, je termine dernier. C'est quand même dommage.
Mais c'est quand même réaliste. Bon bah là, là on est fichu. Je pense que dans pas longtemps j'ai plus un rond de roue et on va devoir abandonner la course. Alors j'ai vu aucun stand pour réparer, ça c'est dommage aussi. Bon bah... Je veux dire, on va quand même aller jusqu'au bout pour essayer de voir la troisième course. Mais techniquement, il n'y a pas grand chose à voir. Allez, on va avancer. 24 secondes de retard. Je crois que j'ai mis de prendre un tour, hein, comme tout à l'heure. Alors le HUD est concis, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous dis, il gâche la visibilité, donc je peux le changer. Ah si, je peux quand même réparer la voiture. Alors pourquoi j'ai pas pu le faire avant? C'est quand même dommage ça. Alors il y a une jauge. Vous voyez en bas là. Je ne sais pas à quoi sert cette jauge. Est-ce que c'est une jauge que l'on doit recharger et qui sert à utiliser je sais quoi, je ne sais quoi. Est-ce que si j'appuie sur rond, il se passe un truc? Non. Si j'appuie sur triangle, je change la vue, donc il n'y a rien d'extraordinaire avec. À quoi sert cette jauge verte? Qui me semble d'ailleurs totalement vide, hein, parce que c'est juste le reflet de la voiture. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, on est troisième. On va pas faire rediffusion. On va faire la troisième course, on verra ça, combien on termine. Alors, on va faire continuer et on va tenter notre chance sur la dernière course. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait aussi présent, il y avait Jean Alesi qui était présent dans le film, Fittipaldi et Pablo Montoya. Paul Tracy, voilà, c'est ça. Et j'en profite pendant les chargements pour trouver quelques informations à gagner sur ce film. Pour ce qu'il en reste. Donc là c'est bien, on découvre notre tracé. Ma foi, oh pas mal. Inspiration Gran Turismo 3. Écoutez, je dis oui. Pourquoi pas. Ah là par contre c'est joli. Sincèrement c'est pas mal. Alors par contre ce que j'aimerais vraiment... Eh on peut plus, hein. On peut plus changer les paramètres d'affichage. Du coup je peux plus... Je ne peux plus... Oula, attention, on va se toucher, c'est bon. On ne peut plus enlever l'affichage sur les côtés. Bon, bah tant pis, hein, fera avec. Donc là, logiquement, il faut que je gagne la course si je veux arriver à faire quoi que ce soit. Eh bien, soit, hein. En avant pour la victoire. Oh là, l'accident bête. Ah bah là, oui, non, mais si en plus je me fais sortir par l'IA... Non mais s'il te plaît, je veux m'arrêter, je veux remplacer la voiture là. Ah bah je peux pas. Bon bah du coup ça va être un échec cuisant. Ah sans aileron je vais pas pouvoir faire grand chose, hein, donc bon, on va essayer de remonter un peu mais... Ouais la cinquième, ah mais c'est peut-être la... D'accord, oui d'accord, ok j'ai compris. Donc en fait quand la barre haut à gauche elle est totalement pleine. On a ce mode ralenti qui n'a aucun intérêt en soi. Allez, on revient en arrière. Là, je peux pas réparer la voiture, donc du coup, quoi ça sert? Par contre, il y a quand même moyen de les remonter. Hein. Même avec une voiture totalement pétée, bah, ça passe. Allez, par contre, j'ai complètement cassé. Ma voiture à cet endroit de tout à l'heure, bon, on fait la même. Et vous remarquerez que l'aileron est resté affiché sur le... On a fait le meilleur tour, c'est une putain de blague. Non mais là c'est terminé, hein. Je veux bien qu'il reste 3 tours mais... Je sais pas comment je vais les remonter. Elle m'avait dit qu'elle m'aimait.
pourtant, je l'ai ignoré pendant plusieurs années. Et de retour, donc... ah là là, ça va venir un running gag, ce truc. Ouais, ce petit effet d'halo, là, plutôt sympa, mais vraiment inspiration Trail Mountain. En plus, on est dans Grand Turismo 3 actuellement, donc... le petit hommage était bien choisi. Et je pars encore en tête à queue. Bon, bah écoutez, on va finir dernier. Du coup, bah, mission échouée. Non mais, je vais pas y arriver, hein. Voilà, on va finir dernier. Bon, tant pis. Donc on aurait échoué la coupe. Je pense qu'elle était faisable. Sincèrement, je pense que si on s'y reprend une ou deux fois, on peut la réussir, celle-là. Donc, un peu moins impossible que le mode scénario. Et du coup, classement final, on finit avant-dernier. On a marqué 0 points. Et bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui rattrapent un peu? Bah, à part quelques effets graphiques, le fait que ça respecte le film, en tout cas pour le début, quelques détails sympas, non, il n'y a pas grand chose. Honnêtement, on préfère un vrai jeu d'IndyCar, un vrai jeu de cartes, et ça sera beaucoup mieux. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce jeu. J'espère que ça vous aura plu quand même, je vous le dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.